Vous avez grandi côte à côte comme deux frères. Veillez l'un sur l'autre. Toujours. Tu sais que quelque chose ne va pas. Tu l'as toujours senti. Tes parents ne t'ont jamais dit la vérité. Quelle vérité? L'année de ta naissance, une prophétie annonçait la venue au monde d'un chef qui viendrait nous libérer. Ce chef, c'est toi, Moïse. D'esclavage. Les choses ici n'ont fait qu'empirer. Je te parle en frère. Tu dois les libérer. C'est une menace. Oui! Je veux que Moïse et sa famille meurent. Qu'est-ce qui compte le plus dans ta vie? Toi. Et quand me quitteras-tu? Jamais. Voyons qui de nous deux massacre venir. Toi ou moi. Tu cherches à me rabaisser. Tu n'y arriveras pas. Jamais. Je suis venu te dire que ce qui se prépare nous dépasse tous les deux. Bonjour à tous. Bon, là, vous venez de voir une petite compile hein, du film Les Dix Commandements et de God and Kings, qui parle aussi de Moïse et des plaies qui s'abattirent sur l'Égypte. Ben, je profite de cette vidéo pour remercier Green Shadow, hein, qui a eu la gentillesse de présenter une de mes vidéos qui s'intitulait « L'Antéchrist et la France, naissance d'une monarchie d'obédience divine ». Comme tu le précises, Green Shadow, bien que nous partageons les mêmes convictions concernant ce mystérieux grand monarque attendu pour la fin de notre monde, il existe tout de même quelques divergences quant à son origine. Dans beaucoup de mes vidéos, j'explique que l'attente de ce grand monarque chez les chrétiens correspondrait en fait à celle des musulmans qui, eux, attendraient un monarque identique,
qui porterait le titre de Mahdi, voulant dire le bien guidé. Le Mahdi devrait, d'après les hadiths, porter le même prénom que celui du prophète de l'islam, c'est-à-dire Mohamed. Le Mahdi est entre autres considéré comme un homme ordinaire qui ne sera informé de sa mission qu'au dernier moment par une expérience particulière. Dieu se manifestera à lui en lui ordonnant de transmettre un message aux médias. Donc ce grand monarque sera connu dès son plus jeune âge par le monde entier, je pense. Mais comme on lui effacera la mémoire pour qu'il grandisse incognito au milieu de la population, personne ne devrait l'approcher, tout en sachant qui il est vraiment. Une situation qui ressemble beaucoup au film Hibernatus dans lequel jouait Louis de Funès. Je vous mettrai un petit extrait d'Hibernatus à la fin de cette vidéo hein, pour que vous puissiez vous souvenir, remémorer l'histoire d'Hibernatus. Green Shadow, tu penses que ce grand monarque sera bien chrétien car les prophéties qu'il annonce sont assez claires sur le sujet. À une époque où l'islam était la religion concurrente, je n'imagine pas un seul instant voir les visionnaires chrétiens nous prophétiser que ce grand monarque sera probablement issu de la religion concurrente et qu'il gouvernera le monde chrétien. C'est-à-dire toute la planète, hein, je parle du monde chrétien. Mais en réalité, c'est le monde chrétien et le monde musulman. Hein. Ces visionnaires chrétiens auraient subi la foudre de l'Église qui n'aurait pas hésité à les excommunier. Donc se référer aux prophéties pour nous dire que ce monarque sera bien chrétien n'est pas une source vraiment fiable. Les prophéties annonceraient une vérité, mais l'inquisition régnante de l'époque aurait en quelque sorte altéré certaines informations quant à son origine ethnique. Puisque les chrétiens qui avaient prophétisé ont préféré parler d'un grand monarque chrétien pour ne pas se faire excommunier ou carrément tuer à l'époque. Et étrangement, le grand monarque attendu par les chrétiens, tout comme le Mahdi des musulmans, devrait se manifester quelque temps avant la fin de notre monde. Ce qui logiquement nous orienterait vers cette prophétie biblique qui annonce aussi l'avènement d'un grand monarque pour la fin de notre monde et qu'elle appelle l'Antéchrist. Je sais, c'est toujours difficile d'imaginer que le grand monarque, alias ce Mahdi, pourrait fort bien être cet antéchrist attendu. C'est comme vous avez été formaté depuis plusieurs siècles avec cette image d'un antéchrist maléfique qui viendra instaurer l'abomination, l'apostasie. Vous imaginez un antéchrist maléfique. Alors que, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, l'apostasie aurait été née pendant la Révolution française. Suite au travail secret des loges franc-maçonnes. Et de cette apostasie s'est ensuite répandue sur toute l'Europe. Bien entendu qu'elle a déchristianisé. Par la suite, on a assisté à l'iniquité et puis aujourd'hui à la perversion complète de nos nations. Le diable étant le prince de ce monde, pensez-vous vraiment qu'il a besoin d'un antéchrist pour accompagner son règne? Je ne le crois pas. Je pense que cet antéchrist sera en fait le réformateur universel que tout le monde attendrait. Et comme c'est le logiciel de Dieu, je dirais c'est surtout un châtiment divin qui va nous annoncer la fin de notre monde, le diable fera tout ce qui est en son pouvoir pour le discréditer auprès de l'opinion. Tout en sachant que toute la planète le connaît depuis son plus jeune âge, le diable fera en sorte pour le discréditer complètement. Bon, je vais vous donner un exemple pas très compliqué. Là, quand on nous parle par exemple des prêtres pédophiles, on est en train de discréditer, du moins les médias font tout pour discréditer la religion chrétienne. On nous dit, oui, c'est des prêtres pédophiles, donc la religion chrétienne est mauvaise. L'inquisition, c'est pareil. À travers l'inquisition, les francs-maçons ont exploité l'inquisition de l'Église pour discréditer complètement le pouvoir, du moins l'Église. Et aujourd'hui, nous avons aussi de l'autre côté, côté islamique, les attaques de Daesh. Là, c'est exactement le même plan qui consiste à déclencher des séries d'attaques terroristes pour carrément discréditer l'image de l'islam. Et sachant que ce grand monarque, alias le Mahdi, a de fortes probabilités de naître en France, on comprend beaucoup mieux pourquoi les forces du mal font tout ce qui est en leur pouvoir pour nous présenter l'islam comme un fléau, une religion obscurantiste qui répand le mal. Parce que la laïcité, comme vous
vous le savez, qui est l'œuvre de la franc-maçonnerie, interdit la présence de Dieu sur cette planète. Et bon, je dis que le Mahdi, ce grand monarque qui portera le titre de Mahdi, d'après certaines prophéties, naîtra en France. Et là, je vous ai mis une carte. Vous regardez bien, observez bien cette carte. Dans certaines de mes vidéos, je vous ai souvent parlé de cette symbolique du chiffre 7, qui est l'empreinte numérique de Dieu sur Terre. Certains vont me dire, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, par exemple, ça veut dire que Dieu manifeste la création par ce chiffre. Un exemple, les phases lunaires se déroulent en 4 périodes de 7 jours, ce qui fait 28 jours. Hein, 28 jours, les femmes ont leur menstrue tous les 28 jours. La lumière blanche qui nous vient du soleil se décompose en fait en aspects de 7 couleurs, qui correspondent aux 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Et ce chiffre 7, vous le retrouvez dans toutes les religions, chrétiennes, juifs, musulmanes. Et dans la religion islamique, c'est encore plus flagrant, parce que c'est une religion qui est apparue au 7e siècle après Jésus-Christ. Et la première sourate du Coran, se compose de 7 versets, c'est pour vous dire. La ville de la Mecque est entourée par 7 montagnes, comme vous le savez, tout comme la ville de Rome. Elle a été conçue sur 7 collines. Bon, je vais m'arrêter là sur le chiffre 7 parce que c'est pas vraiment la thématique du sujet, mais j'ai déjà fait d'autres vidéos qui vous parlent de ce chiffre 7. Voilà. Donc, comme je viens de le dire, le diable étant le prince de ce monde, pensez-vous vraiment qu'il a besoin d'un antéchrist pour accompagner ce règne? Oui, je reviens à cette carte là. Donc, j'ai parlé du chiffre 7. Vous avez ce département 77. Avez-vous remarqué cette chose étrange? Vous avez l'impression de voir le profil d'une personne qui porte une barbe. La barbe, elle se trouve là. Donc, est-ce que c'est un signe que Dieu nous a envoyé pour nous expliquer qu'il y a de fortes probabilités pour que ce mystérieux grand monarque apparaisse dans ce département? Puisque j'ai essayé de regarder le 07, le département de l'Ardèche, ça ne correspond pas vraiment. Là, comme j'ai vu dans le département de Seine-et-Marne le profil d'un homme qui porte une barbe, c'est une sorte de Père Noël. Que c'est vrai que le personnage du Père Noël, bien que pour les enfants, c'est le monsieur qui ramène les cadeaux, mais si vous regardez attentivement le Père Noël, vous avez l'impression de voir l'apparence de Dieu. Sauf que à la place des cheveux gris et de la peau, c'est de la lumière. Alors imaginez un être lumineux qui a l'apparence du Père Noël. Eh oui. Donc là, j'ai parlé de ce grand monarque qui portera le titre de Mahdi. Mais qui est ce Mahdi attendu? Je pense que certaines personnes qui viennent d'arriver dans ma chaîne, qui n'ont pas suivi mes précédentes vidéos, ne savent pas trop qui est ce Mahdi. Bah, le Mahdi, c'est la grande figure de l'eschatologie en islam, autour de laquelle va s'articuler certains événements de la fin des temps. Son identité reste méconnue, bien que, comme je l'ai dit, je pense que toute la planète le connaîtra dès son plus jeune âge, suite à une intervention divine qui va nous le présenter. Et lorsqu'il aura atteint un certain âge, cette divinité reviendra pour le pousser à commencer sa mission. Lorsque Dieu se remanifestera à lui par l'intermédiaire d'un ange, je pense que c'est un ange qui va souvent l'accompagner. Cet ange va lui apparaître pour lui expliquer qu'il doit commencer sa mission. À partir de cet instant, celui que vous appelez le grand monarque, alias le Mahdi ou l'antéchrist, commencera à acquérir des pouvoirs qu'on peut même comparer à ceux que vous venez de voir dans les 10 commandements. L'antéchrist sera doté des mêmes pouvoirs, puisque dans la Bible, au chapitre 13 de l'Apocalypse de Saint Jean, on vous précise que on vous parle d'une bête à deux cornes, et elle fera descendre du feu du ciel. Elle fera d'énormes prodiges qui impressionneront tout le monde. Ça veut dire que cet antéchrist sera doté d'un pouvoir qui va ressembler à celui de Moïse. Une preuve supplémentaire qui nous explique que cet antéchrist sera l'œuvre de Dieu. C'est en quelque sorte un châtiment que Dieu va nous envoyer pour nous préparer surtout à la venue du Christ et à la fin de notre monde. Donc l'identité de ce grand monarque sera méconnue, bien qu'il sera de filiation prophétique, d'après les hadiths. Sa venue doit précéder celle de Jésus. Il viendra comme une sorte d'introduction au retour du Christ, et dont le rôle n'est pas vraiment à sous-estimer par rapport à la venue messianique, dans le sens
où ce grand monarque qu'on appelle le Mahdi en sera le corollaire fondamental. Donc on ne peut pas entrevoir le retour du Christ sans la mission préparatoire du Mahdi. Le grand monarque de la tradition chrétienne européenne et le Mahdi de la tradition islamique, en fait, seraient deux figures très très proches. Et si on fait une étude plus poussée sur les différentes prophéties chrétiennes ou les hadiths musulmans, de par les nombreuses convergences qu'elles produisent, nous montrent qu'il s'agirait en fait de deux visions différentes d'un même individu. D'aucuns jugeront qu'il ne s'agit pas de la même entité personnelle par jalousie religieuse voulant s'accaparer l'apanage d'une telle figure de l'eschatologie. Puisque, comme vous le savez, les chrétiens, les visionnaires chrétiens parlent d'un grand monarque chrétien qui va apporter le christianisme, qui va nous, j'allais dire presque nous imposer un christianisme. Du côté musulman, c'est pareil, on voit un Mahdi qui va revenir avec une puissance incroyable et qui va imposer l'islam à toute la planète. Bah, là, comme je l'ai dit, ça c'est vraiment du nationalisme chrétien et musulman. Le grand monarque, lui, ne va pas entrer dans ces nationalismes, puisque lui, il va venir pour réformer le monde. Et en aucune manière pour servir les nationalismes des uns et des autres. Ça, je l'ai déjà dit. La fonction du monarque se confond aussi avec les prophéties chrétiennes qui annoncent la venue d'un grand pontife, le pouvoir religieux étant réuni au pouvoir juridique en une figure unique. Le pontife symbolisant celui qui établit le pont entre le céleste et le terrestre. C'est exactement ce que sera le grand monarque. Parce que dans les prophéties, on nous dit qu'il va y avoir un grand monarque et un grand pontife, alors qu'en réalité, c'est la même personne. Ce grand monarque jouera le rôle du grand pontife, puisqu'il aura un pouvoir militaire et religieux, universel. Et la Bible nous précise que cet antéchrist se manifesterait à une époque où nous assisterons à la montée en puissance d'une apostasie qui se répandra sur une échelle planétaire. Ça, c'est écrit dans Thessaloniciens chapitre 2. Je vous le cite, Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'apostasie qui était née avec le développement de ce courant humaniste imaginé par les philosophes pendant la Révolution française de 1789 se répandra progressivement à toute l'Europe. Et tous ces principes subversifs de l'apostasie, qui sont l'abandon de la foi, se développeront encore jusqu'à ce que l'apostasie atteigne son apogée dans la révélation de l'homme du péché et de celui qui s'opposera et s'élèvera contre tout ce qui est appelé Dieu. Et cette apostasie, vous l'avez bien remarqué dans ces versets, ressemble étrangement au travail des loges franc-maçonnes. Depuis le 19e siècle, elle est à l'origine de toutes ces lois sociétales sur le divorce, l'avortement, l'euthanasie, le mariage pour tous, le mariage gay, même la pornographie, tout ce qui est dépravant. Elles ont été préparées, écrites et portées à l'Assemblée par la franc-maçonnerie dont l'objectif est d'établir un ordre contraire à l'ordre divin. La laïcité n'est rien d'autre que l'une des expressions de cette apostasie. La laïcité, c'est entre autres l'élimination de toute empreinte divine dans les institutions publiques, les écoles, les hôpitaux, les municipalités, les parlements, les corps législatifs et les corps exécutifs. Donc, lorsqu'aujourd'hui on nous parle de l'antéchrist qui va venir combattre le christianisme, je souris, parce que cet antichristianisme a commencé avec la Révolution française. Aujourd'hui, vous savez très bien que toutes nos nations dites civilisées, modernes et démocratiques sont en fait devenues antichristiques. Parce que là, je viens de vous donner la définition de la laïcité. C'est entre autres l'élimination de toute empreinte divine dans les institutions publiques, les écoles, les hôpitaux, les municipalités, les parlements, les corps législatifs, les corps exécutifs. Donc là, c'est dit clairement, nos nations sont devenues antichristiques en réalité. Donc attribuer à l'antéchrist ce que la franc-maçonnerie a fait, c'est une mauvaise foi et d'une malhonnêteté incroyable. L'antéchrist ne s'est même pas encore présenté alors qu'on lui colle toutes ces atrocités, toutes ces subversions et cette immoralité qui est en fait l'œuvre de la franc-maçonnerie qui, comme vous le savez, est athée. Bon, là, je vais vous diffuser le petit extrait du film Hibernatus. Je vous reparle du département de Seine-et-Marne.
Vous voyez là, vous avez la barbe qui est dans le sud. Hein. Ça vous fait un profil. La barbe, elle est là. Donc, je me pose cette question. Est-ce Dieu qui a signé les contours de ce département pour nous annoncer l'arrivée de ce grand monarque sur ce même département? Ça, c'est une question. Hein. Parce que regardez bien sur les cartes, le 07 ne correspond pas. Il n'y a pas un profil aussi identique. Hein. D'ailleurs, et puis vous remarquez, c'est assez proche de Paris, hein, qui est le 75. Hein. On est toujours dans les chiffres 7. C'est pas par hasard. Hein. Bon, maintenant je vais vous diffuser Hibernatus. C'est un petit écran. Bon, ceux qui se souviennent du film, hein, c'est l'histoire d'une personne qu'on a retrouvée au bout de 65 ans dans les glaces, puisqu'il avait été faire une expédition en 1905. Hein, on l'a retrouvé 65 ans plus tard, en 1970. Vous remarquerez, les dates sont assez étranges quand même, hein, 65, 70. Donc on se demande, c'est un peu comme Fantomas, on se demande si à travers ce film, on n'annonçait pas quelque chose aussi. Le Fantomas, je vous ai expliqué que le personnage de Fantomas était en fait le diable, hein, qui lui s'adressait carrément au grand monarque par l'intermédiaire du film qu'il a réalisé en 1966. Oui, vous voyez, on tourne autour toujours de ces mêmes dates. Hein, parce que comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, je vous avais parlé de ce programme des nazis qu'on appelait Die Clock, hein, qu'ils avaient conçu, du moins dont le programme qu'ils avaient lancé dans les années 40. Et étrangement, 20 ans après la fin de la guerre, en 1965, vous avez une étrange cloche qui s'est abattue aux États-Unis, au mois de décembre de l'année 1965. Tout comme vous savez qu'un mois auparavant, au mois de novembre, vous avez une énorme panne d'électricité, hein, qui avait paralysé tout l'est des États-Unis. Hein. C'était le 9 novembre 1965, je pense. Donc vous voyez, hein, cette date, beaucoup de choses gravitent autour de cette date, mais bon, peut-être que c'est le hasard, hein, je sais pas trop, hein, mais bon, c'est étrange, hein. J'ai toujours l'impression qu'à travers ce film Hibernatus, on nous parlait de ce mystérieux grand monarque, hein, qui, si je suis la logique du film, ne sera pas retrouvé dans des glaces, hein, mais je pense qu'il va subir, par des procédés d'hypnose ou d'autres procédés, un effacement de la mémoire temporaire. C'est-à-dire, on va lui effacer la mémoire lorsqu'il va se dérouler des choses qui vont l'opposer au démon. Ensuite, cette mémoire va ressurgir dans le futur, hein, bien entendu, hein, parce qu'on va l'effacer de sa conscience vive. Mais le subconscient, lui, qui a mémorisé les scènes, les a toujours enregistrées. Hein. Donc il va arriver, lorsque sa mission commencera à démarrer, vous allez assister, bon, il va assister à une résurgence de sa mémoire et les souvenirs vont venir les uns après les autres. C'est ce qui va le motiver peut-être à commencer des recherches et à se connecter, à prendre contact à des groupes, parce qu'actuellement je pense que vous avez beaucoup de groupes à travers le monde qui sont en train de nous préparer cette venue du grand monarque. Et en France, je pense qu'il y a des groupes de religieux qui sont au courant de sa présence et qui travailleraient en secret, hein. Puisque comme vous le savez, dans une précédente vidéo, je vous avais dit que dans un rêve, j'avais vu d'étranges machines antigravitationnelles dans une caserne militaire. Donc ça sous-entendrait que des contacts auraient déjà eu lieu et puis que certaines équipes travaillent dans le secret. Pourquoi ils n'apparaîtraient pas tout de suite, hein, parce que c'est pas encore l'heure. Tout doit être aligné sur le calendrier de Dieu, donc même les extraterrestres n'ont pas le choix, ils s'alignent sur ce calendrier. C'est pour cette raison que pour l'instant vous ne le verrez pas apparaître, hein. Moi personnellement je vous fais des vidéos pour vous présenter certaines choses, parce que lorsqu'il va apparaître, au moins ceux qui suivent mes vidéos sauront que on était déjà préparé, hein. Bon, je vais vous diffuser l'extrait de Hibernatus. Hein. Nous excusons d'interrompre le cours de ce spectacle, mais nous apprendre qu'un homme vient d'être retrouvé enfoui dans les glaces depuis 65 ans. Après de réchauffement progressif, le docteur Barkov et moi-même avons constaté une reprise des mouvements cardiaques. Ça y est, il est réveillé. Il est réveillé. Il t'a parlé? Oui.
avec les mains. Le salaud à son âge. Occupez-vous d'Evelyne et moi je vais m'occuper de l'autre. Je vais le déshiberner. Non, je ne fais pas ça. Je lui dis tout. Me tuerai. Je lui dis tout. Non. Comment vous sentez-vous? Comment vous sentez-vous? Foutez-moi le camp. Foutez-moi le camp, je te tape. Comment vous sentez-vous? Bien. T'attaque. Allez, on y va. Allez, hop. Et maintenant, je vous dis tout. Non. La ferme. Vous croyez en 1901? Eh bien non, vous êtes en 1970. Paf. Et le pôle Nord, ça vous dit rien? Le pôle Nord, le pôle Nord. Vous êtes resté enfermé pendant 65 ans dans un bloc de glace. Et on vient de vous retrouver intact il y a deux mois. Hubert. La ferme. Vous n'avez pas 25 ans, vous avez 90 ans. 90. Et vous êtes le grand-père de votre mère, c'est-à-dire de ma femme. Et elle ne s'appelle pas Clémentine, elle s'appelle Edmé. Elle s'appelle Edmé. Elle s'appelle Edmé.